écouter radio ici et maintenant 95 de fm j'arrête quand je veux voilà la parole se libère après le livre de victor castana euh, son enquête a libéré la parole, on peut dire, parmi les gens. Tout à l'heure, j'étais informé que le service 36, je crois 77, que recevait des appels, des contestations des endroits comme ce que victor a enquêté a doublé même triplé euh, depuis la parution de son livre c'est-à-dire les gens ils ont eu le courage de parler de contester ou les clients eux-mêmes les personnes âgées ou leurs familles ils ont commencé à parler et contester ce qui se passait dans ces endroits-là. Vous voyez, de temps en temps, il suffit un petit clic, petit clic, clic, et tout va changer. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais interviewé M. Ahmad Ben Nour, l'ancien ministre, de service de renseignement tunisien, conseiller de Habib Bourguiba, tata ta cet homme d'état tunisien qui même lui-même il avait ramené euh, Zine El Ben Ali dans le pouvoir politique on peut dire et dans le service de renseignement c'est lui qui l'avait ramené. Euh, moi je le connaissais depuis longtemps euh, à l'époque. Euh, c'est-à-dire ça fait 30-35 ans que je le connais. Euh, mais avant que le printemps arabe, ça commence, deux mois avant, c'était le mois de novembre, <laughs> j'étais aux États-Unis, je rentrais des États-Unis à Paris, et il venait de temps en temps dans mon bureau aux Champs-Élysées, vous voyez, je le voyais, je voyais qu'il était en train d'aider des étudiants, tu sais, mais sans, en cachette. Il fallait pas que personne sache qu'il est en train d'aider certains étudiants, tout ça. Sais. Alors, euh, à l'époque, au mois de novembre, je ai demandé, est-ce que toujours il va être moué, il ne va pas parler, parce qu'il ne parlait pas, ni aucun livre, article, tout ça. Il a dit, si, maintenant je veux parler. Ah, C'est formidable, tout de suite, j'ai allumé la caméra, euh, on a commencé, on a parlé, on a, a interviewé, que vous l'avez entendu plusieurs fois, et il a euh, évoqué énormément des sujets, des problèmes de... Euh, Avenin Ben Ali, sa femme, et comment il est entré dans le pouvoir, la relation qu'il avait avec la sœur de euh, Bourguibé, comme Poutine, comment il a pu prendre le pouvoir, et c'est lui qui l'avait ramené dans le pouvoir. Et cette interview, quand c'était diffusée, déjà sur radio ici maintenant, après sur l'Internet, et patati patata, quelques mois après, même peut-être moins, moins de trois mois après, l'histoire de. Monsieur qui se fait brûler, Monsieur Azizi. Et, oh, ça s'était éclaté dans le monde et voilà, le mouvement a commencé. Beaucoup de gens à l'époque faisaient des commentaires en bas de notre vidéo comme quoi ça c'était le commencement de Printemps arabe puisqu'il a osé de parler. Alors quand on ose de parler, après c'est la parole que se libère. C'était le cas de Victor Castanet avec son livre. Euh, et dans l'histoire, c'était comme ça. Un article de Canard Enchaîné, euh, Mediapart, ou à droite à gauche, euh, un article dans Le Monde, par exemple, Histoire de Gilets jaunes, je ne sais pas quoi, contre Macron et tout ça. Euh, il suffit de brûler le monde. Et c'était le cas concernant. Cette histoire qui touche la santé, Et ne regardez pas que c'est des vieilles. Ce sont des gens qui étaient la richesse du pays. Ces gens-là étaient responsables de balayeurs dans la roue, des agents de livraison, des gens qui étaient peut-être même chauffeurs de taxi, jusqu'au ministre. Députés, sénateurs, <laughs> les politiciens, les babous, des directeurs, des PDG, c'était des gens qui, qui sont servir l'État et la République, n'importe où qu'ils étaient. Maintenant ils sont âgés et ils ont envie de rester vivants. Alors le traitement n'était pas humain. Ça vous en avez beaucoup parlé. Mais ça aussi, c'était intéressant de le dire. Ah, alors bien sûr, après, après il y a l'éthanasie, on dit beaucoup de gens, ben, moi je ne suis pas d'accord avec l'éthanasie et tout ça, enfin, ah, c'est autre chose. Euh, mais vous savez, j'avais euh, sénateur Henri Caillavé dans no notre studio. Sénateur Henri Caillavé, c'était quelqu'un en personnalité, pas français, international. Beaucoup des lois que vous voyez actuellement en France, c'est grâce à... Sénateur, monsieur le ministre, Henri Caillavé. Henri, Henri Caillavé, c'était ministre à l'époque de Mendès. Il était ministre de la Justice, député, maire, sénateur, etc. Et si mauvais, était son étudiant, professeur à l'université. Il n'a pas pu passer à l'époque euh, de Charles de Gaulle, dans les années 50, euh, le IVG. On n'a pas voté quand il était ministre de la Justice. Après des années, c'est une de ces étudiantes qui va avoir le gloire de passer ça, c'était Simon Veil. Euh, beaucoup de lois concernant euh, audiovisuel, euh, liberté, euh, éthanasie, je ne sais pas quoi, tout ça c'est des lois de sénateur Henri C'est un ami, je l'aimais beaucoup, plusieurs fois il était mon invité et dans cet studio, la radio. Et une fois, dans, euh, euh, en étant en train de parler, lui-même il, il a dit Mon père, il était âgé, est malade, et il avait envie de partir. Il m'a fait le signe. Il a dit que je vais partir. Je n'ai même pas dit ça à mon frère, ni à ma mère, à personne. J'ai tué mon père. C'est le sénateur Henri Caillavé, l'ancien ministre, député, maire etc., qui a dit ça. Il n'est plus là. Vous savez, le sénateur Henri Caillavé lui-même, il est déjà mort. Euh, mais, c'était très important. avec quelqu'un qui peut rien faire. rien. C'est autre chose qui demande, comme le papa. Moi, à l'époque, j'étais étonné, franchement, quand il a dit, j'ai tué mon père. J'ai tué mon père. Ça existe sur l'Internet. Vous tapez Henri Caillavé, David Abbassi. Vous pouvez trouver l'interview et l'écouter. Ça, c'était très intéressant. Mais quand l'individu n'a pas envie de mourir, n'a pas envie de partir, il va encore rester et il paye la note. Il paye la note. Et l'État, il est toutes ces sociétés. Alors, ça, c'était triste pour notre République. Pour cette République. Euh, voilà, que jour après jour, en plus, il y a des problèmes qui se découvrent. Et de l'autre côté, euh, la pauvreté qui est en train d'augmenter, il y a des individus qui même ne peuvent pas payer leur loyer. Hein. Le loyer. Hum. Même Eric Zemmour, vous savez qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui C'était très intéressant. Non il a dit, à l'âge de 12 ans, il a connu Lucier. Un huissier qui vient embêter son père. Et après, son père ne peut plus payer de, de loyer, il était hébergé chez son oncle. Ah, c'est pour ça qu'il a promis trois mois euh, de prime de travail. Au revoir. Les élections, c'est le cinéma actuellement, mes chers amis. Vous êtes en train de voir. Et le feuilleton, le film, élection présidentielle. On va vous dire un jour, telle personne a 3%, l'autre personne a 4%, mais ça, c'est, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous pouvez rien faire non plus. Et vous êtes obligés, vous êtes obligés, mes chers amis, de suivre cette feuilletonne télévisée, radiophonique. Alors, de 3%, ça commence jusqu'à euh, 20 et quelques pourcents. Encore, il reste 64 jours. Deux mois et quatre jours. Et vous devez aller voter, mes chers amis.